Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. La méthode pour trouver Melo et Ta vient d'être découverte et je vais t'expliquer dans cette courte vidéo comment le trouver et le capturer. Je vais également te donner tous les détails le concernant. Tout d'abord, sache que Melo et Ta n'est pas présent dans le Pokédex de la région. Tu n'en auras donc pas besoin pour le compléter et débloquer les bonus associés. Pour faire apparaître Melo et Ta, rends-toi dans la zone côtière à l'endroit indiqué sur cette image. Place-toi ensuite à l'endroit où je me trouve actuellement et tu remarqueras un petit tourbillon de feuilles qui se crée autour de toi. Sauvegarde à cet emplacement, puis tourne sur toi-même pendant au moins 10 secondes. Ceci fait, sors ton appareil photo en appuyant sur la flèche du bas, puis appuie sur les flèches de droite ou gauche pour sélectionner le filtre sépia. Attends quelques secondes et tu devrais remarquer que la musique a changé. C'est signe que tout a été fait correctement et que Melo et Ta vient d'apparaître. Quitte le mode photo et regarde autour de toi pour le trouver. Appuie sur A près de lui pour lancer la rencontre. Melo et Ta possède un taux de capture très bas, soyez donc bien préparé avant de lancer ce combat. Il sera au niveau 70 et porte le type Terra Crystal Combat. Il possède les attaques Champ Antique, Mégaphone, Berceuse et Psycho. Il porte le talent Sérénité et sa nature sera aléatoire. Concernant ses IV, 3 d'entre eux minimum seront parfaits. Melo et Ta est Shiny Lock, cela veut dire que vous ne pourrez malheureusement pas le trouver sous sa forme Shiny de cette manière. Inutile donc de resetter votre jeu pour tenter de faire apparaître sa forme chromatique. Pour pouvoir apprécier la forme dense de Melo et Ta, faites-lui utiliser Champ Antique. Une fois son attaque réussie, Melo et Ta changera de forme pour le reste du combat. Voilà, tu sais déjà tout sur la manière de trouver et capturer Melo et Ta, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura permis de capturer ce Pokémon fabuleux facilement. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, la commenter et à la partager, abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche. Rejoins-moi sur Twitch et les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu. D'ici là, prends soin de toi.